Ma Mission TV, le miroir du monde. Que le progrès de ce pays ne viendra jamais de l'extérieur. Détrompez-vous, chers amis. Le progrès de ce pays ne viendra jamais du Fonds monétaire international. Qu'on ne vous trompe pas. De la Banque mondiale, de la Banque de l'Union européenne, aucun pays dans l'histoire du développement des nations n'a été le fait du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, de la Banque. D'ailleurs, ce n'est même pas les Russes. J'ai été Premier ministre pendant près de 5 ans. Quand on arrivait, beaucoup de projets étaient irréalisables. Pour ne citer que ces cas, le pays n'avait même pas une compagnie d'aviation. Les Congolais du Sud-Kivu, du Nord-Kivu, devaient passer par le Rwanda, devaient passer par le Congo-Brazzaville pour arriver dans leur capitale, la ville de Kinshasa. Quel parcours de combat. Les exemples sont légion, mais les progrès macroéconomiques que nous avons réalisés au cours de cette période, c'était dû principalement à un leadership de qualité, à une gouvernance de qualité. Et il y a un étudiant donc, qui voulait qu'on définisse le leadership congolais. Bon, écoutez, il y a aussi des leaders. Je vous ai cité l'exemple ici du mouvement Patrice Emery, qui est reconnu comme un leader. Docteur Mukwege, qui est reconnu comme un leader. Donc il y a des Congolais dans ce pays qui sont aussi des leaders, qui répondent à la définition de l'énergie. Le monde avait une vision. Vision partagée par tous les Congolais. Vous et moi, pour la plupart, nous n'étions pas nés quand le monde est décédé en 1961. Mais pourquoi continuons-nous à parler de nous? Et nous avons l'obligation d'organiser des ONG comme celle-ci. Pas uniquement des ONG qui revendiquent les droits de l'homme, des tueries, des ceci, mais des ONG qui parlent aussi des leaderships qui est un élément essentiel. Comment vous pouvez considérer dans un pays où toutes les banques appartiennent aux étrangers? Vous voulez reprocher à Dieu de ne jamais mis dans la tête des Congolais la capacité de créer une banque. Comment vous pouvez vous imaginer que dans un pays, tous les meilleurs restaurants appartiennent aux étrangers? Donc Dieu a défendu aux Congolais de créer aussi les meilleurs restaurants. Qu'est-ce qui manque aux Congolais? C'est la leadership. Et yeah! Du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Temple Royal sous Kanamasulo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Temple Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Temple Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors concurrent, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Temple Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Temple Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleur selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu. Référence, stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salemana Nouté, le complexe hôtelier Temple Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasulo chez Temple Royal Kanokakae. Thank you.
S'il vous plaît. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous allez bien, mesdames et messieurs? Bon, on va faire un petit exercice très simple parce que nous allons tout à l'heure manifestation. Alors, un des moments forts donc, de la manifestation sera la prise de parole, le mot de circonstance du président de l'association Leadership et Gouvernance pour le Progrès, le professeur Matata Pogno, qui va expliquer les objectifs, mais également la vision de l'association qui va être lancée tout à l'heure. Et puis, ça en suivra une projection sur le leadership, ce qu'en pensent les Congolais, ceux qui sont arrivés avant, tout à l'heure, qui sont arrivés à 10h, en suivi déjà un extrait de cette projection où les autorités, les étudiants, les professeurs d'université se sont exprimés, n'est-ce pas, sur cette notion de leadership. Et puis, s'en suivra un poème, un poète, puisqu'il faut le dire, la structure ou l'association LGP a déjà inspiré un poète qui va nous déclamer son poème tout à l'heure. Il s'appelle Olivier Sangui. S'en suivra alors un autre temps fort, la présentation du bureau exécutif de l'association LGP. Et puis, il y aura une séance photo des membres du bureau exécutif pour, n'est-ce pas, clôturer notre manifestation. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, les distingués invités, je vous prie de vous lever pour l'hymne national. Et comme je l'ai annoncé à l'introduction, nous allons suivre la première projection. En 1992, la Malaisie a la même superficie, la même population, le même climat et les mêmes ressources que la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le coton, l'EBA et le pétrole. Et son premier ministre, le docteur Mahathir, surnommé docteur M ou docteur Miracle, a fait de la transformation son credo, sa priorité. Ainsi, la Malaisie transforme automatiquement toutes ses matières premières. Par exemple, elle transforme son EBA en pneus de voiture, en préservatif, en gants en caoutchouc. Et comme la transformation est faite sur place, eh bien, les cours de l'EBA sont fixés, non pas à Londres, mais à Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie. Et la démonstration est ainsi faite. Quand vous avez des usines de transformation sur place, c'est vous qui fixez les coûts de vos produits, c'est clair. Et sur cette lancée, la Malaisie a bâti, avec son pétrole, une société pétrolière dénommée Petronas, qui est considérée comme l'un des nouveaux géants de l'or noir. Et vous voyez par vous-même les images de la Malaisie, c'est un paradis qui a permis à la Malaisie d'attirer 12 millions de touristes en 2004 et qui lui a rapporté 6 000 milliards de recettes en devises, soit 4 fois le budget national de la Côte d'Ivoire. Et j'ajoute que la Malaisie a intégré la mondialisation dans sa vision économique en donnant la priorité à la création de grandes structures sur lesquelles peuvent se greffer leurs PME pour leur permettre ensemble de conquérir tous les marchés mondiaux. Voilà l'exemple d'un pays semblable à la Côte d'Ivoire, la Malaisie, qui a réussi à gagner sa bataille contre le sous-développement et contre la misère, et même à utiliser la mondialisation à son profit. Et tout cela grâce à sa politique de la transformation sur place de ses produits. You know, a lot of people wonder how Dubai became a very big, famous and rich city. You see, if you're comparing with Nigeria, listen to this. Nigeria has oil before than Dubai. It's a history. They are more rich than us. They have agriculture, they have mining, they have everything, you name it, they have. Am I right or wrong? When you have a true leadership, which we have,
We have nothing, but we have everything because we have the right leadership. That's the only thing you need, a right leader for your country, not corruption. That's what brings your country at the top. You don't need anything. We don't have even water. We don't have agriculture. We don't have mining. That's quite interesting. And that's Sheikh Mohammed. Number one, he doesn't know number two. He needs only number one. He says, I don't know. There's no number two in my book. Only number one. I hear he doesn't ride in the convoy. Is that true? Yeah. No. No, he doesn't, because everybody loves him. Love our leaders too. Thank you. Thank you very much. Nous avons intégré que le diable est noir, que Dieu est blanc, que Tinclair est meilleur, que nos religions étaient profanes et la manifestation du diable et qu'il fallait s'en éloigner. La plupart d'entre nous avons intégré que nous sommes moins intelligents que le blanc. Nos sœurs et nos mamans ont intégré le fait que les perruques, les moumoutes, longues et blanches, étaient plus beaux que leurs cheveux naturels. Il est venu le moment de sortir de cette obscurantisme. Il est venu le moment pour une jeunesse désormais bien formée et ouverte sur le monde d'élaborer le narratif des Africains, de raconter notre histoire, de magnifier nos valeurs, de vulgariser notre savoir, notre conception de la vie. Bref, de récupérer la parole qui nous a été arrachée par le monde, sans complexe, avec fierté. C'est pourquoi j'encourage les jeunes à produire autant qu'ils le peuvent, que ce soit dans la littérature, la culture ou dans le domaine de l'audiovisuel. Les programmes sur nos médias doivent ressembler à nous. Ils doivent refléter nos réalités, nos feuilletons, nos films, nos jeux doivent ressembler à nous. Fini le mimétisme. Dans le même temps, mon travail à l'international m'a permis, au fil de toutes ces années, de me rendre à l'évidence à quel point notre continent, étant si riche en ressources humaines et minières, souffre d'un mal chronique, l'absence de leadership de qualité qui puisse impulser le développement. Pendant longtemps, les diplômés, les cadres se sont trop contentés de gagner leur vie dans de grosses structures, abandonnant trop souvent à des aventuriers, des voyous, de tout poil, la gestion de notre bien commun. Des politiques sans vergogne qui se sont enrichies plongeant nos pays dans l'abîme et le chaos. Il devient urgent pour cette jeunesse bien formée, avec de vrais rêves et de réels potentiels, de s'engager en politique pour donner un cap à nos territoires. C'est eux qui doivent mettre un terme à cette pandémie qui fait plus de victimes que le paludisme, l'Ebola et le Covid-19. Il faut s'engager en masse politique et travailler à changer le paradigme. Il faut arrêter de laisser cette activité à des vieux essentiellement nus par la volonté de se maintenir aux affaires alors qu'ils n'ont aucun projet pour leur pays, alors que leur avenir est derrière eux. Une chose est certaine, et c'est triste de le dire, ma génération et celle de mes aînés ont échoué à développer l'Afrique. Mais vous, vous aurez moins d'excuses, puisque vous avez les armes pour renverser la vapeur. La balle est dans votre camp. Merci, je pensais que vous alliez applaudir cette projection. Intervenants sont revenus sur le même concept leadership et gouvernance, et vous avez également suivi que pour la Malaisie, et c'est qu'ils ont choisi la transformation sur place des richesses. Et je sais que dans plusieurs débats, le professeur Mme Campogno revient très souvent sur ce concept de transformation sur place pour fixer, n'est-ce pas, également les prix. Je ne suis pas économiste, de peur de me faire contredire par le professeur Taboma, mais je crois que c'est justement ce qu'il faut, et surtout ce binôme que le professeur Matata Apono développe si bien dans la plupart de ses conférences, leadership et gouvernance. Vous l'avez également suivi pour ce monsieur qui vit à Dubaï, qui a parlé également de la gouvernance, du leadership, et pas de corruption, surtout pour l'Afrique. Il a même comparé, vous l'avez vu, Dubaï qui n'a pas d'eau, mais qui s'est développé. Et puis vous avez suivi à la fin, ça c'est une interpellation à la jeunesse, Alain Foucault qui interpelle la jeunesse, qui reconnaît peut-être que sa génération
a échoué et qu'il faut, nous, les jeunes ou les jeunes d'aujourd'hui, produire des pensées qui reflètent, n'est-ce pas, les réalités africaines. Et c'est, ça me permet également d'inviter, pour son mot de circonstance, le professeur Matata Pogno, qui est également le président de l'association qui va naître dans un instant, l'association Leadership et Gouvernance pour le Progrès. Sous vos applaudissements, j'invite le professeur Matata Pogno. Pour marquer les lancements officiels de notre ONG intitulée Leadership et Gouvernance pour le Progrès. Pourquoi ai-je décidé finalement de créer cette ONG? Vous vous souviendrez, après mon départ de la primature en décembre 2016, j'ai été pratiquement le pèlerin sur invitation des uns des autres, des États, des institutions internationales, pour parler des leadership, de la gouvernance et du progrès. Mais beaucoup de gens m'ont demandé pourquoi vous ne formalisez pas? Parce que finalement, la jeunesse comprend l'essentiel de votre message. Mais les conférences ne suffisent pas. Et voilà pourquoi, après avoir ouvert la chaire de leadership à l'université protestante, nous avons pensé qu'il faudra aussi créer une ONG, une structure formelle, capable d'avoir un siège et de travailler sur la philosophie, les outils, parce qu'en réalité, mesdames et messieurs, distingués invités, chers amis, le secret du progrès est dans le binôme leadership et bonne gouvernance. Je l'ai vécu moi-même. Pendant 7 ans, j'étais directeur général du BESECO. Quand je suis arrivé comme directeur général du BESECO, cette structure était au bord de l'abîme. Je l'ai relevée et quand je partais, 7 ans après, elle avait des réserves de payer plus de 3 ans de salaire de ses agents, alors qu'elle n'avait pas 7 ans. C'était le leadership et la gouvernance. J'ai été ministre des Finances pendant près de 2 ans et demi. J'ai trouvé des retards de salaire de plus de 3 mois. La monnaie s'est dépréciée au gré des vagues. Les prix s'envolaient. Nous avons stabilisé les cadres macroéconomiques. On a payé les salaires régulièrement. On a constitué des réserves alors que le pays était en déficit permanent de finances publiques. C'était quoi? C'était le leadership, c'était la gouvernance. J'ai été Premier ministre pendant près de 5 ans. Quand on arrivait, beaucoup de projets étaient irréalisables. Pour ne citer que ces cas, le pays n'avait même pas une compagnie d'aviation. Les Congolais du Sud-Kivu ou du Nord-Kivu devaient passer par le Rwanda, devaient passer par le Congo-Brazzaville pour arriver dans leur capitale, la ville de Kinshasa. Quel parcours des combattants! Les exemples sont légion, mais les progrès macroéconomiques que nous avons réalisés au cours de cette période, c'était dû principalement à un leadership de qualité, à une gouvernance de qualité. Voilà pourquoi, chers amis, quand nous avons quitté ces fonctions, nous pensions que il serait irresponsable de ne pas rappeler les binômes qui constituent les détonateurs du progrès. Voilà pourquoi nous avons pensé, au-delà de ce pèlerinage sur les conférences
il était important qu'on puisse structuraliser. Il faut qu'il y ait un support institutionnel. C'est vrai, la chaire à l'université, tout le monde ne peut pas aller à l'université pour apprendre le leadership et la gouvernance. C'est une chaire diplômante avec des conférences. Mais il faut une structure dont l'objectif serait effectivement non seulement de cultiver davantage la philosophie, mais de la partager, des séminaires auprès de la jeunesse, comme nous l'avons fait tout récemment à Bukavu avec l'archevêque Maroy, qui a appelé tous les jeunes de l'archidiocèse de Bukavu, et avec qui nous avons partagé, nous avons co-animé avec lui sur le leadership et la personnalité responsable. Et les jeunes étaient émerveillés. Et des leaders se sont créés. Parce que, comme vous le savez, chacun d'entre nous à sa naissance est leader. Mais c'est après qu'on a des non-leaders et qu'on a des leaders. Donc voilà l'importance de la création de ce ONG. L'objectif principal, donc, c'est de structurer cette philosophie, cette campagne d'information, cette campagne de réveil de ce potentiel qui existe en vous, surtout vous, la jeunesse. De réveiller vos responsabilités, vos qualités, vos dons de leadership. Parce que tout le monde naît leader, mais tout le monde ne devient pas leader. Ceci est donc important et le siège de cette ONG va dans un premier temps être situé au siège de la Fondation Mapon, qui est ici sur le boulevard du 30 juin, au building Kiyo Yasita, en face de la grande poste, au cinquième étage. Mais plus tard, c'est un siège dédié à cette ONG qui sera opérationnel parce qu'à ce moment-là, si vous voulez effectivement aller vous renseigner, vous trouverez une adresse précise et autonome. Mais dans un premier temps, le siège sera partagé avec le siège de la Fondation Mapon, au lieu que je vous ai indiqué. Un site web sera ouvert, la souscription sera faite aussi, soit manuellement, physiquement ou alors électroniquement. Voilà, chers amis jeunes, vous, les véritables responsables du progrès, voilà situé, voilà expliqué la philosophie et la quintessence de la cérémonie d'aujourd'hui. Comme vous l'avez remarqué, cette ONG que nous sommes en train de créer porte trois mots et a un contenu fort chacun. Leadership et gouvernance pour le progrès. D'une part, vous avez le leadership. D'autre part, vous avez la gouvernance. Et enfin, vous avez le progrès. En réalité, le leadership est à la base de la bonne gouvernance. Et le leadership et la bonne gouvernance sont à la base du progrès. Voilà pourquoi il m'a paru important de prendre quelques minutes de votre temps, au-delà de ce que je viens de faire, donc vous présenter la philosophie, l'objet principal de cette ONG, la localiser, mais aussi vous expliquer brièvement quel est le contenu, de manière à ce que quand vous quittez cette salle, vous soyez convaincu que vous n'êtes pas venu vous promener. Vous n'êtes pas venu perdre votre temps qu'en réalité vous êtes venu décider aujourd'hui de prendre votre responsabilité de devenir leader parce que vous avez de votre naissance une responsabilité, parce que vous êtes unique et chacun d'entre vous possède ce potentiel exceptionnel que Dieu a pensé. Je voudrais vous dire, chers amis, que lorsque Dieu créa le monde, il a créé la terre dans sa nature sauvage. C'est Dieu qui a créé le monde.
c'est Dieu qui a créé la terre. Et même dans la création de la terre par Dieu, vous y trouvez l'essence même du leadership. Après avoir créé la terre, Dieu crée l'homme. Dieu crée l'homme et la femme. Voilà le départ de l'histoire de l'humanité. D'une part la terre, l'autre part l'homme et la femme. Mais d'où vient le reste, camarades? Le reste vient de l'homme. C'est l'homme qui crée le développement et c'est l'homme qui crée le sous-développement. Dieu a uniquement créé le monde. Il a créé la terre. Dieu n'a jamais créé les États-Unis. Dieu n'a jamais créé l'Italie. Voilà l'importance des leaderships. Parce que au début de chaque création, il y a la décision, il y a le leadership. Et donc cela nous permet de comprendre qu'en réalité, le leadership est la fondation de l'humanité telle qu'elle existe. Et donc le leadership est à la base de tous les changements qui se sont opérés sur cette terre. Et que le leadership est à la base de la création de toutes les richesses qui peuvent exister. Et l'homme est le dépositaire de toutes les richesses. Est-ce que vous vous rendez compte, chers jeunes, vous qui êtes présents? Mais alors, le leadership, c'est quoi concrètement le leadership? Le leadership, on peut le comprendre à travers trois mots principaux. L'influence, l'inspiration et la conviction. Un leader, c'est celui qui influence les autres. Voilà pourquoi le leader doit être devant. Un leader, il influence les autres. Mais pour qu'il influence les autres, les leaders, doit inspirer et il doit convaincre. Vous ne pouvez pas influencer les autres sans qu'ils soient convaincus. Vous ne pouvez pas influencer les autres sans que vous puissiez inspirer en eux quelque chose d'important. Donc, le leadership se cristallise à travers ces mots. Un leader doit savoir influencer les autres. Pour que les autres puissent les suivre, il faut qu'il les inspire. Il faut qu'ils soient convaincus. On ne peut pas retrouver un leader qui n'inspire pas. On ne peut pas trouver un leader qui ne convainc pas. Et ceci donc est très très important pour comprendre l'influence des leaders. Comment les leaders influencent-ils? Parce que, chers amis, un leader doit avoir une vision. Un leader, on le reconnaît notamment par sa vision. Quand Dieu créa le monde, il y a une vision. Quand les hommes, comprenant la volonté de Dieu, parce que Dieu, quand il crée le monde, il dit « Homme, transformez le monde ». Certains ont compris, d'autres n'ont pas compris. Il faut donc une vision. Et cette vision doit être grande. Si vous rêvez grand, vous serez grand. L'image qui est souvent donnée, c'est l'histoire de la lune et des étoiles. Et souvent, on vous dit, si vous visez les étoiles, vous pouvez au moins arriver à la lune. L'étoile la plus rapprochée de la Terre,
Proxima de Centuria est à près de 42 000 milliards de la Terre. C'est l'étoile la plus rapprochée de la Terre. 42 000 milliards de kilomètres par rapport à la Terre. Mais parce que l'homme qui avait une vision voulait arriver à l'étoile la plus rapprochée, il est au moins arrivé à la Lune. La Lune est à près de 384 000 kilomètres de la Terre. Mais l'homme est un. Au-delà de la vision, un leader doit avoir, évidemment, les objectifs qui découlent de cette vision. Aujourd'hui, je suis obligé de vous rappeler ce que vous connaissez déjà, parce que en sortant de cette salle, vous devez vous décider de devenir effectivement des leaders. Donc au-delà de la vision qui doit être grande, vous devez aussi avoir des objectifs globaux, intermédiaires, sectoriels. C'est ça le leadership. Un leader, il sait, au-delà de sa vision, déterminer les objectifs. Ceci est très important, mes chers amis, parce que un leader est différent des managers. Vous trouverez souvent des managers qui se disent leaders. Non, un manager n'est pas un leader, il faut que vous le sachiez aujourd'hui, parce que la fonction ne confère pas le titre de leader. Vous pouvez être manager, mais vous ne pouvez pas être leader. Leader, c'est quelqu'un qui a une vision, comme je viens de le dire, et une grande vision. Partagée, non pas par lui-même, par l'ensemble de ceux pour lesquels il milite. Un manager, il a des objectifs qu'on lui a assignés, qu'il doit atteindre. Un leader, c'est quelqu'un qui donne des conseils aux autres. Parce que c'est son rôle. Un leader n'est pas pour soi-même. Tandis qu'un manager, lui, il doit atteindre les objectifs qu'on lui a assignés. Il dirige. Un leader, c'est quelqu'un qui sait prendre les risques. Chers amis, vous devez savoir à partir d'aujourd'hui, si vous avez peur de prendre le risque, vous ne serez jamais leader, vous serez manager. Parce que le manager, lui, il gère le risque. Tandis que le leader, il prend le risque. Le leader, il veut le changement. L'histoire de leadership, c'est l'histoire du perpétuel changement. Le leadership se termine à la fin de l'histoire de l'homme. Tandis que le manager, lui, il gère les changements déjà opérés. Le leader, il a des fonds. Tandis que le manager, il a des employés. Voilà donc les différences fondamentales. Si aujourd'hui, vous décidez d'être leader, voilà les qualificatifs d'un leader par rapport aux qualificatifs d'un manager. Vous pouvez ne pas être directeur général dans une entreprise, mais vous êtes leader. Vous pouvez être directeur général et ne pas être leader. Parce que vous n'influencez personne, parce que vous ne convainquez personne et parce que vous n'inspirez personne. Ceci est très important que vous sachiez en sortant de cette salle, parce que je sais que chacun d'entre vous va s'engager pour désormais devenir un leader. Mais ce que vous devez savoir, c'est que quand vous aurez décidé de devenir leader, chers amis, vous aurez vous-même construit votre armée d'adversaires, d'ennemis, parce qu'à ce moment-là, vous dites, je suis devenu leader. Et vous construisez automatiquement l'armée des ennemis, l'armée des adversaires, l'armée des chantres, des critiques négatives. Ce n'est pas une particularité africaine, mais c'est une particularité universelle. En fait, le chemin des leaders, ce n'est pas un boulevard. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers jeunes, vous devez savoir, le chemin des leadership, ça n'a jamais été un boulevard. Je vois certains d'entre vous ici qui, défendant la justice, ont même été interpellés et menacé d'être jeté en prison. C'est ça le chemin du leadership. Parce que c'est une navigation en contre-courant.
Comme je vous l'ai dit, le chemin du leadership, c'est le chemin du changement. Et le changement n'est jamais voulu par ceux qui sont intéressés par les désordres, par le statu quo. Et c'est pour ça que les études scientifiques ont démontré que rien que 1% de la population mondiale est constituée des leaders. Et les 99% sont constitués des non-leaders. Aujourd'hui, chers amis, voulez-vous appartenir à ce pourcentage bas des 1%? Oui, il est faux parce que ce sont des hommes comme vous qui ont décidé d'être des leaders et d'échanger l'histoire de l'humanité. Donc, le chemin de leadership, c'est un sentier très plein de difficultés. Mais Robert Kennedy disait, si vous voulez le progrès, lui, veut le changement. Mais les changements sont impopulaires. Vous avez vu beaucoup de personnes, des dirigeants disent, ils ne veulent pas opérer les changements parce que ça va soulever des protestations. Mais il ne faut pas choisir une chose et son contraire. Si vous voulez des changements, vous devez absolument susciter les critiques. Mais il faut progresser parce que les changements s'opèrent dans les critiques. Les changements s'opèrent dans l'adversité. Les changements s'opèrent dans les oppositions. Et c'est pour ça, mesdames et messieurs, distingués invités, chers jeunes, vous devez savoir qu'un leader doit avoir des valeurs. Un leader doit avoir des valeurs. Il n'y a aucun leader qui est doté des antivaleurs. Parce que pour que vous puissiez influencer les autres, vous devez être une référence. Vous devez être un role model, comme on le dit en anglais. Donc, quelqu'un qui inspire les autres, quelqu'un qui peut être suivi. Vous devez être un dépositaire de valeurs. L'honnêteté. La constance, chers amis. Vous ne pouvez pas être un leader et vous changer à chaque saison. Dans tous les secteurs possibles. Définir comme leader alors qu'à chaque saison vous avez une autre face. Comment pouvez-vous être leader et vous changer au gré des vagues? Que les vagues soient économiques ou politiques, vous les suivez. Non, c'est un des critères. Un leader, il est constant et cette constance demeure même après sa mort. Chers amis, vous avez suivi ceux-là même qui ont participé à l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Ceux-là même ont débaptisé l'une des meilleures places de la capitale de l'Europe qui porte désormais les noms de Lumumba. 60 ans après, la constance. On ne tue pas l'esprit de l'énergie parce que c'est un esprit de valeur. Donc, un leader doit être dépositaire des valeurs. Et les valeurs, c'est quoi? Les valeurs, c'est aussi les travails. Le travail ardu, chers amis, ceux qui croient au fameux adage Chancelo Kopamba doivent se détromper. Chancelo Kopamba, qui vous a dit ça? La réussite n'est pas une histoire de la chance. Aucun livre de leadership ne parle de la chance. Aucun livre de leadership. Aucune théorie de leadership ne parle de la chance. Le progrès de l'humanité est le produit du travail ardu. Le sacrifice, les dons de soi. Beaucoup de gens s'étonnent que quelqu'un comme Dr Mukwege ait été nobélisé. Mais combien de gens se posent la question sur le sacrifice du Dr Mukwege, du risque qu'il a pris? Combien de fois on a menacé de tuer cet homme? Le sacrifice qu'il a pris, de soigner les femmes violées. Pouvez-vous imaginer dans quel état ces femmes se trouvaient?
ces femmes qui n'avaient plus les sens de la vie, les sens de l'honneur. Mais il a été nobilisé. Et aujourd'hui, il est au même enseigne que des grands de ce monde. Le Mandela, le Barack Obama, tout ce que vous connaissez des grands, il est au même numéro, à la même avenue. Ce n'est pas une histoire de la chance. Les leaders sont des dépositaires des valeurs. Il y a autant de valeurs qui sont certainement réprimables, mais pour cette circonstance, je n'en prendrai que quelques-unes parce que désormais notre ONG est née et cette ONG aura notamment pour mission d'organiser des séminaires, des formations pour rappeler à tous les jeunes, tous les leaders potentiels qui doivent être dépositaires des valeurs. Et chacun d'entre vous est capable de posséder ces valeurs. La discipline notamment. Vous devez être discipliné. Chers jeunes, vous pouvez vous imaginer que vous êtes capable de devenir tout ce que vous voulez, mais avec un minimum de discipline. Imaginez-vous quand Dieu créa le monde, il a créé l'homme. Vous êtes-vous déjà posé une question, comment l'homme que vous constituez est une machine disciplinée, organisée, harmonisée? C'est le meilleur. Outil informatique qui n'ait jamais existé sur cette terre. Même les savants ne sont pas encore arrivés à créer une machine comme l'homme. Mais qui existe? Mais c'est une machine autant disciplinée, autant organisée. Et qui va vous inspirer pour que vous deveniez leader. Donc, toutes ces valeurs, vous devez les posséder. Vous qui voulez devenir leader, vous devez travailler. Vous devez lire, vous devez prendre des risques, vous devez aimer les changements, vous devez être honnête, vous devez être constant, vous devez être la référence. Et ça, c'est très important parce que ce sont ces valeurs qui vous permettent d'affronter les obstacles. Parce qu'on l'a dit, le chemin du leader, c'est un chemin difficile. Mais alors, la gouvernance. Beaucoup de gens pensent que la bonne gouvernance, c'est une histoire du Fonds monétaire, de la Banque mondiale. Mais non, mes chers amis. Dans la Bible, il est dit que lorsque vous prenez une graine, vous la jetez sur les roches, elle ne produira rien. Vous prenez la graine, vous la jetez sur la terre fertile, elle produira des merveilles. C'est l'histoire même de la bonne gouvernance. Avez-vous déjà vu sur les indices de Transparency International un pays réputé dans la corruption et être un pays développé? Ça n'existe pas. Quand on vous parle de l'histoire de Singapour, chers jeunes, Singapour que vous voyez là, son étendue est inférieure plusieurs fois à l'étendue de la ville de Kinshasa. Donc la ville de Kinshasa ici, dans laquelle vous vivez, dépasse Singapour en espace. Qui d'entre vous ne connaît pas Singapour ici? Allez poser la question aux Singapouriens. Je crois que 90% ne connaissent pas la ville de Kinshasa. Pas parce qu'ils n'aiment pas les Kinois, les Congolais, tout simplement parce que la ville de Kinshasa ne représente rien dans l'histoire économique du monde. Les réserves d'échange de Singapour, une petite ville moins spacieuse que la ville de Kinshasa, près de 400 milliards de dollars américains. Kinshasa, la RDC, moins de 600 millions de dollars américains. Donc Singapour peut acheter plusieurs fois la RDC. Le leadership. Ça fait sourire, mais c'est dramatique. Comment pouvez-vous concevoir qu'une petite île
moins spacieuse que Kinshasa, puisse acheter un pays plusieurs fois. Budget, moins de 5 milliards de dollars. Réserve d'échange, près de 400 milliards de dollars. Quand on pose la question au général Quinn, Premier ministre, Lee Kuan Yew de Singapour, il dit, j'étais, quand je deviens le dirigeant de Singapour, deux chemins. À gauche, le chemin de la corruption et de la mauvaise gouvernance, et à droite, le chemin du leadership et de la bonne gouvernance. J'ai choisi le chemin du leadership et de la bonne gouvernance. Voilà le miracle de ce qui explique le miracle de Singapour. Pourquoi, cher jeune, ne pas vous parler de l'histoire des pays qui ont progressé? L'inconnu dit qu'il n'y a que ce binôme-là qui a fait qu'aujourd'hui, le président des États-Unis, Trump, peut arriver à Singapour, rencontrer le président nord-coréen, partir de Singapour sans jamais critiquer les Singapour. Vous connaissez comment le président Trump est très fort en critique. Surtout pour ceux qui ne réalisent pas le progrès. Donc, la gouvernance ne peut pas être considérée, chers amis, chers jeunes, comme une obligation pour vous. Mais ça s'impose. Si vous voulez être leader, si vous voulez le progrès, la gouvernance s'impose à vous. La gouvernance peut être politique. Elle consiste à choisir des bons dirigeants. Vous ne pouvez pas avoir des dirigeants qui ne sont pas les meilleurs d'entre vous. Quand une équipe ou une armée va en guerre, pourquoi est-ce qu'ils mettent les tireurs d'élite devant? Vous pensez que c'est d'une manière involontaire qu'on mette les meilleurs de l'armée devant? Non, c'est parce que ceux qui sont devant sont à mesure de créer la différence. Pourquoi est-ce que quand on recrute le pilote de guerre, on choisit parmi les meilleurs? Parce que le pilote de guerre, quand il entre dans un avion, il est seul. Il peut y avoir des pannes, il peut y avoir des imprévus, mais il doit être à mesure de décider seul. Parce que l'avenir de tout un pays qu'il a envoyé dépend de lui. Et il doit aller, il doit accomplir sa mission seul, et il doit rentrer avec objectif atteint. Donc, vous les leaders, vous devez savoir que la bonne gouvernance politique, elle est aussi importante. De la même façon que la bonne gouvernance juridique, le respect des textes de manière tout à fait indépendante, indifférenciée, que le texte soit constitutionnel, réglementaire, que ce texte s'applique de la même façon pour tout le monde. Parce qu'il n'y a pas de petits hommes et de grands hommes. Que le texte judiciaire s'applique aussi de la même façon pour tout le monde. La justice élève les nations. Et vous ne pouvez pas vouloir à la fois vous élever et détester la justice. La bonne gouvernance peut être aussi sociale, c'est-à-dire veiller à ce que la fracture sociale entre les riches et les pauvres ne s'accroisse pas, mais qu'elle diminue davantage afin que tout le monde ait l'essence de vivre, parce que la Constitution garantit le même niveau de vie pour tout le monde à la naissance. Donc, en définitive, chers amis leaders, au-delà de ces qualités de leader, qui vous permettent d'avoir une vision, de définir des objectifs, d'avoir des valeurs, de choisir les sentiers, non pas les boulevards. Vous devez être doté des qualités de bonne gouvernance dans tout le domaine possible. Gouvernance politique, gouvernance sociale, gouvernance judiciaire, juridique, économique et financière, pour que vous puissiez être ce binôme cher à l'humanité, ce binôme cher au progrès.
Mais le progrès, parce qu'il faut qu'on en parle, et ces derniers mots qui composent les trios de notre ONG, c'est notre ONG ensemble avec vous. Cette ONG. Votre présence aujourd'hui, c'est une présence historique, parce que cette ONG doit être, certes, l'un des détonateurs de ce leadership des qualités que vous rêvez tant, de cette gouvernance dont vous rêvez tant. Parce que le progrès, chers amis, les nations développées, ce n'est pas le fait d'un accident. Je l'ai dit dans l'entrée de jeu que Dieu n'a pas créé un pays développé, un pays sous-développé. Et ceux qui sont chrétiens, je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens ici qui prient énormément à Dieu. Mais il n'y a pas un Dieu pour les riches et un Dieu pour les pauvres. Sinon, si ce n'était que par la densité de la prière, tous les pays sous-développés seraient déjà développés. Le développement, c'est une histoire de leadership. C'est une histoire de bonne conscience. Le progrès. Pourquoi ces pays qui sont athées sont développés? Ces pays qui sont athées sont développés parce que c'est la qualité de leadership. C'est la qualité de la gouvernance. Nous avons suivi l'histoire de la Malaisie ici. Vous savez que ce pays, la RDC, dans lequel vous vous trouvez, cher jeune, peut-être avant que vous soyez né, moi aussi, vers les années 60, ce pays était le deuxième exportateur mondial de l'huile de palme. Ce pays et la Malaisie que vous avez vue ici, avec des buildings, est venu prendre les noix de palme à Yangambi. Pour commencer sa culture des palmiers à huile. Et aujourd'hui, nous, les Congolais, nous importons de l'huile de palme de la Malaisie. Et dans l'entretemps, nous devons toujours être grands. Et grands en quoi? La grandeur d'une nation, ce n'est pas lié à la grandeur de son espace. Ce n'est pas lié à la grandeur de l'éloquence de ses citoyens. C'est lié à la grandeur de la production et de la richesse. Donc, vous devez savoir que ce troisième mot, le progrès, il doit aussi vous inspirer, chers amis, vous qui voulez devenir leader, parce que les grandes nations, ceux qui ont progressé, c'est à cause du leadership et à cause de la gouvernance. Voilà qui explique le progrès. Les grandes nations, les grands hommes que vous avez connus, les grandes institutions, les grandes entreprises, ce n'est pas une question de couleur, ce n'est pas une question de race. Parce que, comme vous le savez, si c'était une question de race, quelqu'un comme Obama, dont le papa est d'origine africaine, ne serait pas président des États-Unis, mais il a été pendant 8 ans. À cause de quoi? À cause des leaderships. Et de la qualité, de la gouvernance. Donc voilà ce que j'avais à partager avec vous, chers amis, sur cette réunion qui n'est pas en effet un séminaire sur l'énergie, mais nous étions dans l'obligation de vous rappeler les BAB de l'énergie et de la gouvernance, pour que vous soyez rassurés que votre présence ici n'était pas fortuite, que vous êtes désormais venu prendre l'engagement de contribuer non seulement au progrès de vous-même, parce que si vous décidez que vous-même vous devenez grand, vous le deviendrez. Mais aussi vous êtes venu prendre l'engagement de contribuer au progrès de ce pays, dans tous les domaines possibles, domaine politique, domaine économique, domaine social. Le leadership, ce n'est pas dans un domaine particulier. Lorsqu'on reconnaît le leadership du docteur Mukwege, mais c'est dans le domaine de sa profession. C'est un leader. Dans tous les domaines possibles, vous avez des leaders. Et vous avez donc ce potentiel d'être leader. Voilà pourquoi
nous avons pensé qu'il fallait réveiller, ce potentiel, ce don qui est en vous, parce que vous êtes un leader qui vous oubliez. Réveillez-vous, parce que l'avenir du monde, l'avenir du continent, l'avenir du pays et votre propre avenir est entre vos mains. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Matata Ponyo, pour cet exposé brillant, comme vous aimez bien le dire, brillant. On retient leadership, gouvernance, et, mais également progrès. Merci beaucoup, vous pouvez regagner votre siège. Et je rappelle qu'il y a quelques mois, le professeur Matata Ponyo avait initié l'école de leadership qui se trouve à l'université protestante au Congo. Vous pouvez également visiter cette école de leadership et surtout sa bibliothèque remplie de livres, de documents qui parlent, n'est-ce pas, du leadership. Mesdames et messieurs, j'avais annoncé au début de notre manifestation que ce concept donc, qui vient de naître, cette association LGP, a déjà inspiré un poète et je vais vous demander d'applaudir le poète Olivier Nsaki. Autrement dit, infiniment grand merci à Dieu, infiniment grand merci aux ancêtres de l'Afrique profonde, infiniment grand merci à son excellence, docteur Matata Ponyo, infiniment grand merci à chacun d'entre vous, excellences, honorables, distingués invités, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, pour vous saluer, vous honorant, je touche le sol en vous disant bonjour. Vous êtes tous autres. Bonjour. Ayez la paix, ayez la joie. C'est peut-être pour ça que j'aurais voulu, avant d'atterrir, vous dire un simple mot d'amour. Oh toi, mon simple mot d'amour, tu surgis à moi comme un rayon d'espoir. Ou bien, nyota ma pendo. Kuyambele, kuyambele bibi yangu. Kuyambele. Kila siku na kuona chumbi. Kila siku na kuchunga bibi yangu. Kila siku na kuona moro yangu bibi yangu. Lakini kila siku si kuona nyota iko mbali. Kwa hiyo iko mbali. Mais bibi yangu en question, c'est la naissance de cette association. C'est pour ça, avec votre autorisation, je voudrais vous lire, parce que c'est encore tout neuf. Cette inspiration m'est arrivée vraiment quand j'ai eu l'invitation. Et comme c'était fort, et comme je connaissais déjà, je me suis dit, même sans entrer dans le détail, mieux vaut que j'honore cette naissance extraordinaire. C'est pour ça que nous disons la naissance d'une fille mère. Liant ces réalisations pratiques déjà avérées pour les connaisseurs à l'expertise de recherche scientifique et prospective de bonne qualité, les bureaux exécutifs de l'association Leadership et Gouvernance pour le Progrès ressemblent aujourd'hui, avec ces lancements officiels dans le paysage de notre pays, à la naissance d'une fille bébé, mais déjà mère, au regard de ses réalisations, au regard de ce qu'elle a fait dans le passé, qui est élogieux. Grandeur et responsabilité sociale sont ces atouts innés que nous célébrons aujourd'hui. Entrons heureux et confiants dans ses objectifs et sa vision innovante et salvatrice. Nous lui apporterons alors les vraies acclamations et les bons soins d'amour et de solidarité dont elle a besoin pour propulser le progrès intégré et intégral pour notre pays. Et nous serons tous ensemble fiers de léguer aux générations futures le génie présent
Matata Podio, délégué aux futures générations. Oh, mes chers frères, que puis-je dire encore d'autre? Portons haut ces flambeaux flamboyants d'une bonne association typiquement congolaise qui compte d'abord sur nos propres forces et notre organisation constructive qui deviendra sponsor et servira de modèle pour les jeunes entrepreneurs du Congo dans une saine émulation de tant de génie que regorge notre Congo profond. Ainsi donc, nous tous ici présents serons honorés d'avoir participé à cette grandiose cérémonie. Juste pour terminer, je voudrais dire, recommence. Recommence, même si tu sens la fatigue, même si une erreur te fait mal, même si une trahison te blesse, même si l'illusion s'éteint, recommence. Recommence, même si la douleur te brûle les yeux, même si on ignore tes efforts, même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux, même si tu te sens incompris, recommence. Recommence, même si l'injustice semble toujours avoir le dessus, même si tu sens la peur au plus profond de toi, même si les autres abandonnent, même s'il faut en payer le prix, recommence. Recommence comme Dieu, chaque jour avec joie. Recommence avec confiance et amour. Recommence au jour de soleil comme au jour de tempête. Recommence avec patience et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour leadership et gouvernance, pour le progrès. Avec leadership et gouvernance, pour le progrès. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple, comme ton peuple. Ceux qui s'aiment dans les larmes moissonnent en chantant. Permettez alors que je puisse aller offrir au génie présent que nous voulons léguer aux générations futures ce poème qui est né et puis ce livre. Je vous ai dit un simple mot d'amour. Ce livre, hymne à la mer, hymne à la vie. Il y a beaucoup de poèmes qui consacrent la gratuité, la grandeur, l'honneur, l'amour de la vie. Excellence, c'est venu de façon brute et brutalement. Je n'ai pas pu l'habiller convenablement et le mettre dans un cadre qui est de votre honneur, mais permettez quand même, en tant que poète, je vous offre mon bébé tel qu'il est né. Infiniment grand merci. Merci beaucoup, et je rappelle à l'assistance que vous pouvez ou nous pouvons déjà adhérer à l'ONG, à l'association Leadership et Gouvernance pour le Progrès. Et tout à l'heure, le professeur Matata Pony a parlé du siège et qui se trouve donc en face de la poste, l'immeuble Kilo Yacita, et oui, au cinquième niveau pour adhérer, n'est-ce pas, à l'ONG, à la structure, ou bien vous pouvez appeler au numéro 082 653 98 27 ou carrément venir au siège qui est donc jusque-là le siège provisoire à l'immeuble de Kiyo Yacita au cinquième niveau, l'immeuble qui est situé en face de la poste. Mesdames et messieurs, j'aimerais aussi appeler le bureau exécutif de la structure pour que vous puissiez, n'est-ce pas, les applaudir s'ils peuvent, s'ils sont à la salle, ils peuvent juste se lever pour que vous puissiez les voir et applaudir pour le bureau exécutif de la structure. Je vous applaudis. Et dans l'entretemps, le besoin s'est fait sentir de poser quelques questions, pas seulement les journalistes, mais mesdames et messieurs, vous tous qui avez été touchés peut-être par ce message,
par le discours ou par les explications du professeur Matata Ponyo. Il y a un micro qui va circuler dans la salle. 5 questions pour qu'il puisse peut-être donner d'autres explications. Si vous allez juste vous lever, le micro va arriver, vous vous présentez, étudiant ou chercheur, bon, pas nécessairement journaliste. Moi. Bonjour, professeur Matata Ponyo, je suis Sylvie Bonro, journaliste. Moi, ma question est de savoir pourquoi vous n'avez pas pensé à créer carrément un parti politique au lieu de créer une association, parce qu'après, il faut canaliser toutes ces énergies, toute cette jeunesse qui vous accompagne depuis que vous avez commencé. Pourquoi ne pas créer un parti politique carrément au lieu d'embarquer la jeunesse dans cet aspect pour qu'après, il se retrouve encore son repère? Merci. Je voulais juste savoir si c'est une structure élitiste ou bien une structure populaire qui doit être de masse et qui doit être installée sur toute la République, sur le plan géographique. Et je voulais savoir, bien sûr, dans la même question, s'il y a des actes d'organisation. Quel est le profil des personnes qui sont recherchées dans l'association? C'est ma première question. Est-ce qu'elle est adressée à tout le commun mortel ou bien à une certaine catégorie de personnes? La deuxième question, comment dans 10 ans vous voyez cet aspect dans 10 ans? Quelle est l'approche tirée à moyen terme est attendue par le comité exécutif de la LGP? La troisième question, c'est quelle stratégie de terrain va exploiter la LGP? Si on peut avoir un aperçu rapidement, la stratégie ou inverser la tendance des valeurs, la tendance des valeurs que nous avons dans notre pays, qui n'est pas, je veux dire, à notre honneur. Comment la LGP a des stratégies, ou bien propose des stratégies pour pouvoir inverser la tendance des modèles qui ne sont pas beaux à voir dans notre pays? Merci. Est-ce qu'actuellement le Congo a des leaders auxquels nous jeunes pouvons se référer? Merci. Merci beaucoup. Avoir mis la charrue avant le bœuf, dans la mesure où il y a des fortes tares dans ce pays, ce que je qualifie de révolution inexorablement exponentielle de la médiocrité collective, qui est en train de prendre corps aux vies et aussi de tout le monde, sans scrupule. En tout cas, mes larmes coulent à poison. Alors, la question est très simple. Monsieur le Premier ministre Matata, il y a quelque chose de capital dans ce pays, le fait d'avoir inversé l'échelle des valeurs. Ça veut dire que nous avons commencé à accepter les antivaleurs comme des valeurs. Et la méfiance est devenue la règle et la confiance l'exception dans un pays comme celui-ci. Ne pensez-vous pas qu'il était important de mettre en place des stratégies, là c'est la question, pour juguler l'État avant de parler de la bonne gouvernance et du leadership? Merci beaucoup. Merci, c'était là. À cette série de questions, commençant par Sylvie Bongo, la toute puissante journaliste. Sylvie, permettez-moi de vous dire qu'il ne s'agit pas ici d'une organisation à caractère politique. Il s'agit d'une organisation à caractère non gouvernemental. Et je pense qu'il est important qu'autant qu'il y a des organisations non gouvernementales qui prêchent dans plusieurs domaines, notamment celui des droits des hommes, beaucoup d'organisations dans ce domaine. Mais il y a une crise d'organisation sérieuse, efficace, dans les domaines des leadership et la gouvernance. Vous savez que le leadership n'est pas enseigné à l'université. Et pourtant, l'énergie, c'est vraiment la base du problème. Comme nous l'avons démontré ici, l'histoire des grandes nations, c'est l'histoire de l'énergie, l'histoire de la bonne gouvernance. Pourquoi ne pas mettre ça sous forme d'une structure appropriée? Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, la question des partis politiques ne procède pas de cette organisation. Pour maintenant, vous avez émis un vœu.
vous pouvez vous-même la formuler autrement et à une autre occasion. Alors, Pacific House voudrait savoir si cette organisation est élitiste. Non. On ne peut pas avoir un leadership uniquement dans l'élite. L'exemple qu'on peut vous donner, c'est Lula, le président brésilien. Monsieur Caosi, est-ce que vous savez que le président Lula, qui a été emprisonné du fait de l'injustice, qui a été soulevé dans ce poème, dans ce très beau poème, mais parce que la justice triomphe toujours, Lula n'a jamais été universitaire. Lula, c'était un autodidacte. Mais l'histoire du Brésil retiendra que c'est l'un des meilleurs leaders du monde, l'un des meilleurs leaders que le Brésil n'ait jamais produit. Parce que pendant sa présidence, le Brésil a diminué le niveau de pauvreté et plus de 25% de sa population. Voilà la réponse à votre question. Cette ONG n'est pas une ONG élitiste. Parce que vous pouvez être enseignant et être leader. Connaissez-vous les diplômes universitaires de Patrice Emery sur mouvement? Non. Un leader, il peut venir de n'importe où. Voilà pourquoi, prenant en compte une autre question, cette organisation se veut nationale. Donc c'est une organisation qui va être répandue dans l'ensemble de la République. Déjà ici à Kinshasa, nous avons près de 24 communes. Vous devez travailler pour que cette organisation se répande dans l'ensemble de la ville de Kinshasa, que vous soyez des représentants de leadership dans chaque. Voilà pourquoi nous avons voulu partager avec vous les caractéristiques essentielles de ces mouvements. Donc, Monsieur Pacific Caosé, ce n'est pas une structure élitiste, c'est une structure de masse. André Boitier, chercheur, quel est le profil de personnes recherchées? Je l'ai dit, évidemment, un leader doit avoir une vision, un leader doit avoir des objectifs. Donc, le profil, c'est des hommes et des femmes qui ont une vision et qui ont des valeurs. Martin Luther King disait, chacun d'entre nous a la capacité de devenir leader, de devenir grand, à cette condition qu'il serve les autres. Et il a dit que tout le monde a la capacité de servir les autres. Comment voyez-vous cette ONG d'à 10 ans? On la voit grand. Parce que contrairement aux autres ONG, c'est une organisation qui a la volonté d'être structurée, d'être organisée et de bien accomplir sa mission. Donc, c'est un bébé qui va grandir, mais le poète a dit que c'est un bébé qui est déjà fille mère. C'est l'histoire d'une naissance exceptionnelle dont on suppose que dans 10 ans, ça va être une grande organisation non gouvernementale. Quelle est la stratégie sur terrain pour inverser la tendance des valeurs? Évidemment, l'éducation, la vulgarisation, la conscientisation. Cela fait près des 4 ans que nous diffusons l'importance de l'éducation. Je vous ai dit qu'il y a un mois, j'étais à Bukavu, j'étais à Goma, et nous avons échangé avec les jeunes de l'importance de l'énergie. Donc, la stratégie, c'est une stratégie de proximité à l'université protestante où j'enseigne. Il y a une chaire de leadership qui va être organisée en séminaire, en atelier, mais aussi en diplôme. Parce que l'inconvénient, c'est que quand vous terminez l'université, vous n'avez pas eu un cours de leadership. Or, le secret du progrès, c'est justement
le leadership et la bonne gouvernance. Donc, ce serait une stratégie pour justement inverser le monde. Et il y a étudiants donc, qui voulaient qu'on définisse le leadership congolais. Bon, écoutez, il y a aussi des leaders. Je vous ai cité l'exemple ici de Lumumba, Patrice Emery Lumumba, qui est reconnu comme un leader. Docteur Mukwege, qui est reconnu comme un leader. Donc, il y a des Congolais dans ce pays qui sont aussi des leaders, qui répondent à la définition de leadership. Lumumba avait une vision. Vision partagée par tous les Congolais, vous et moi, pour la plupart, nous ne sommes pas nés quand Lumumba est décédé en 1961. Mais pourquoi continuons-nous à parler de Lumumba? Moi, je suis né près de 3 ans après le décès de Lumumba, mais j'ai érigé une grande statue de Lumumba dans les jardins des premiers ministres. Personne ne m'a jamais posé la question pourquoi vous avez érigé la statue d'une personne qui est décédée près de 60 ans avant. C'est ça, le leadership. Donc, il y a des leaders dans ce pays. La liste est certainement longue, mais il ne faut pas voir le leadership seulement dans le domaine politique. Le leadership se trouve dans tous les domaines de la vie. Et au Congo, il y a quelques leaders dont certains sont reconnus internationalement. Vous savez, en Russie, vous aviez une grande université qui portait le nom de Patrice Emery Lumumba. À Nice, pour terminer, M. Nice a l'avantage d'être toujours un potentiel de révolution. Mais ce qu'il a décrit est vrai. Les antivaleurs. Chers amis, je voudrais, en phase avec l'idée d'ANC, vous rappeler une pensée de Machiavel. Vous connaissez tous Machiavel, n'est-ce pas? Machiavel a parlé des antivaleurs déjà au 15e siècle. Machiavel disait, si vous voulez domestiquer les nègres, les noirs, identifiez les meilleurs d'entre eux, comme ils ne sont jamais nombrés, vous le mettez à côté. Vous prenez le médiocre d'entre eux, ils sont nombreux, dépositaires des antivaleurs, comme Anissé l'a dit. Vous ne donnez aucune instruction aux médiocres, aux dépositaires des antivaleurs. Mais vous serez surpris vous-même de la façon dont ils vont s'occuper des meilleurs. Monsieur Anissé, on n'a pas mis la charrue devant le bœuf. Pour pouvoir renverser les tendances, il faut s'organiser. Et nous avons l'obligation d'organiser des ONG comme CEST. Pas uniquement des ONG qui revendiquent les droits de l'homme, des tueries, des ceci, mais des ONG qui parlent aussi des leadership qui est un élément essentiel. Comment vous pouvez considérer dans un pays où toutes les banques appartiennent aux étrangers? Vous voulez reprocher à Dieu de ne jamais mis dans la tête des Congolais la capacité de créer une banque? Comment vous pouvez vous imaginer que dans un pays, tous les meilleurs restaurants appartiennent aux étrangers? Donc Dieu a défendu aux Congolais de créer aussi les meilleurs restaurants. Qu'est-ce qui manque aux Congolais? C'est la leadership et la bonne gouvernance. Parce que si vous vous décidez sur base des valeurs que nous avons énumérées ici, mais vous allez créer une banque, vous allez créer un meilleur restaurant, vous allez créer une meilleure école, vous allez créer toute une meilleure société. Mes chers amis, détrompez-vous, Anissé, on n'a pas mis la charrue devant le bœuf. Je pense que cette association a la pertinence de se créer à temps, à un moment précis, où les jeunes ont besoin de savoir qu'ils sont des leaders et que les changements doivent venir d'eux, que le progrès de ce pays ne viendra jamais de l'extérieur. Détrompez-vous, chers amis,
Le progrès de ce pays ne viendra jamais du Fonds monétaire international, qu'on ne vous trompe pas, de la Banque mondiale, de la BAD, de l'Union européenne. Aucun pays dans l'histoire du développement des nations n'a été le fait du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, de la BAD. D'ailleurs, ce n'est même pas leur mission. Ce n'est pas la mission de ces institutions. Lisez, posez leurs questions, ils vous diront notre rôle. Ce n'est pas de développer un pays. Le développement d'un pays procède du leadership et de la gouvernance interne, un point entre. Donc, nous pensons que ceux qui doivent renverser les valeurs à Nice, c'est lui qui a mis fin ou qui a réduit, par mettre fin, parce que la corruption ne disparaît jamais. Lee Kuan Yew, lorsqu'il a décidé de développer Singapour, il a travaillé pour la réduction de la pauvreté, pour le financement de l'éducation. Savez-vous que ce sont les fonctionnaires de l'État qui sont parmi les mieux payés au monde à Singapour? Et tout le monde se bat pour devenir enseignant, pour devenir fonctionnaire de l'État. Est-ce que c'est le cas dans notre pays? Monsieur Alissé, devenez non pas un général, mais un colonel de leadership et de la gouvernance. Je vous remercie. Ayez du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Temple Royal sous Kanamasulo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Temple Royal vous offre un service de haute qualité. De chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Temple Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors concurrent, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleur selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu. Référence, stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96. Et Salemana Nouté, le complexe hôtelier Temple Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasulo. Chez Temple Royal, Kano Kakae. Ma mission TV, le miroir du monde.